L'autre grande nouvelle dans l'actualité, c'est sanctions ça que pays les États-Unis prend compte ancien président Joseph Michel Martelly. En pile réaction continue à tomber. Nous allons présenter quelques réactions, je ne dis en une autre fois encore, toujours question réaction. C'est dans le pays d'Haïti, pendant une visite que tu as faite dans un pays, dans la ville au Cap, on nous dit, c'est en Haïti que ça l'a fait. Premier ministre Garry Conille t'a réagi, il t'a demandé paysans mi Haïti, qui lui-même prend sanction, qui veut dire les États-Unis, puis il t'a partagé ensemble avec lui information que il gagnait. Nous allons rejoindre Gérard Maximo depuis ville au Cap, qui te prend réaction. Déclaration Premier ministre Garry Conille. Population haïtienne dans le bonjour et elle tendait que un pays de ses amis qui a pile moyen annonçait que l'ancien président que l'élu fait des choses qui sont assez graves. Population voulait comprendre. Il voulait des informations, il voulait des détails, il voulait appréhender ce qui passé. Donc responsabilité de l'État, c'est avant tout pour que le ministre de la Justice demande des amis. S'il vous plaît, partagez avec moi documentation, partagez avec moi information pour me comprendre ce qui passe. Mais deuxièmement, tout, il faut que l'institution responsable pour ça, yo même tout, yo ka regarder ce qui passe à peu près, yo ka essayer comprendre pour venir expliquer à la population qui ça bagaille là en réalité, qui fondement qui gagne dans ça et côté bah ça sorti. Donc responsabilité de l'État, c'est ça. Mais combat il m'a dit non, qui est très important. Il y a une raison qui fait que ces paysans mineurs qui ont sanctionné, c'est parce que le système de justice panois n'a pas fonctionné. Si le système de justice panois a fonctionné, si nous prenons responsabilité pour que gagne imputabilité, nous n'avons pas besoin de ces autres mineurs qui sont obligés, l'autre pays va